soit deux droites séquentes comme sur la figure imprécise ci-dessous. Si l'amplitude en degrés de l'angle A vaut 8x plus 6, et si l'amplitude en degrés de l'angle B vaut 4x plus 38, quelle est l'amplitude en degrés de l'angle B? Nous voyons que les deux angles A et B sont opposés au sommet et par conséquent, leurs amplitudes sont égales. Ce qui signifie donc que ce 8x plus 6 est égal à ce 4x plus 38. Ainsi, nous avons cette équation du premier degré en x à résoudre. D'abord, nous mettons tous les termes en x d'un côté et les autres de l'autre côté. Ainsi, nous obtenons 4x est égal à 32 et en divisant cette équation par 4, nous obtenons que x est égal à 8. Mais attention, il ne faut pas penser que le 8 est la bonne réponse. Ici, nous avons trouvé x égale 8 et on demande l'amplitude de l'angle en B dans ce cas-là. Nous cherchons donc 4x plus 38 lorsque x est égal à 8, ce qui donne alors 4 fois 8 plus 38, c'est-à-dire 70. Donc l'angle en B a une amplitude de 70 degrés et par conséquent c'est le D, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.